Bonsoir, la VOD. Nous sommes sur Palia, découverte de la bêta fermée, mais plus trop parce que, bah, vu que j'ai une clé, c'est qu'elle est pas trop fermée. Bref, je râle pas déjà. J'affiche le chat. Petit Alox, non, pas du tout. Je vous affiche. Attention, vous êtes sur la VOD, soyez doux. VOD de 4h51 du matin. Voilà, pourquoi pas. Alors, Palia, un MMO, pas RPG, un MMO simulation de vie communautaire et tout mignon. Doux. 10 minutes plus tard, bon, je ferai pas la VOD, 10 minutes plus tard, bon, j'ai VOD. Bon, hey, je vais cacher le chat, là. Neymar. Neymar, ils vont vous raconter des choses. Bref, on est sur la découverte de Palia, je ferai peut-être une petite VOD d'une demi-heure pour présenter le jeu. De toute façon, je veux pas me coucher à 6h du mat, 7h. Du coup, un MMO, pas RPG, simulation de vie, farming, machin, machin. Et là, pour le moment, on est sur une bêta, du coup, dispo le 9 août 2023. Et on a un petit message des développeurs qui demande, qui appelle à se comporter de manière responsable et faire preuve de bienveillance et à collaborer avec. Et ça, c'est mignon, c'est rigolo. Bon, c'est peut-être un poil naïf, mais c'est adorable. Je suis d'accord. On lance le game. Alors, le jeu est pas doublé en français, mais traduit à l'écrit en français. Même si, apparemment, des soucis de trad, mais ça va évoluer, ça. Ah, Morpho. Moi, je suis plutôt en X, le X de l'Ox. Je vais faire ça, hein. Si je fais ça. Oh, il y a des tailles différentes. Ok. Bon, on a un délire un petit peu. On a vraiment une esthétique à la... comment ça s'appelle ? Disney Dreamland Valley. Franchement, je vois pas sa tronche, mais bon, ça doit être bien ça. Ah, mais attendez, sa tronche, je pourrais jamais la modifier. Oh, mais ils sont pipous, ces yeux. Ah non, mais ça, c'est la forme du visage, c'est pas que les yeux. Ouais, c'est très bien. Hors de peau. Moi, je suis pas comme des culs. Vu que c'est un MMO, on va essayer de faire un truc. Oh, les yeux rouges. Oh, mais tout le monde a dû faire ça, déjà, les yeux rouges. Moi, j'aime bien les yeux jaunes. Moi, j'ai les yeux marron dans la vraie vie. J'ai les yeux marron nul, marronasse. Youhou! Oh! Hey! 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 Ah! Oh non! Okay. Youhou! Oh! Youhou! Oh! Hey! 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 Wake up! On dirait un petit peu la voix de... Comment est-ce qu'il s'appelait? Hey, wake up. Mais si, vous savez... Oh, non, pas listen. Non, pas Navi. TeamSpeak. Youhou. Hey. Bref, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Ça passe. Qu'est-ce qu'on fait comme bûche? Ça, c'est la coupe basique. Mais souvent, c'est plus pratique d'avoir les cheveux attachés dans ces jeux-là, parce que niveau animation, les cheveux longs, comme ça, par exemple, ça glitch à travers les fringues et tout. C'est un peu chiant. C'est un peu pas ouf. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont beaucoup attachés, les cheveux, d'ailleurs. Ça, c'est Mims, après, ça. Moi, j'aime bien ce Mims. Les cheveux rouges, hein. Oh, on peut faire moite-moite, incre. Ah, oh, ouais, on peut faire... D'accord, je peux choisir... Ok. Je peux choisir de faire comme ça. Genre, ça, c'est rouge. Et ça, comme ça, c'est pas rouge. Ah non, ça marche pas bien. Comme les poils. D'accord. Par contre, la musique, elle est un peu... Après, il y a un swag un petit peu pralinement de cerise, quoi. Un peu. Mon rouge, il est pas très rouge. Après, mon rouge à moi, il est pas très rouge non plus. Hein. Bah ouais, hein. Tie and die.
Ah ouais, c'est comme ça qu'il me faut, mais à l'envers. Ok. Ça fait vraiment pralinement de cerise, ça, pour le coup. Genre, le dégradé, il est dégueulasse, hein. Pattern 3, c'est ça? Raymond Cerise est super fort, c'est vrai, c'est le héros. Ça dégoûte un peu, mais c'est le héros. Praline Monde Cerise. Mais c'est quoi ton pouvoir? Le pouvoir de la menthe. Attends, le pouvoir de la menthe et de la cerise réunis au cœur d'une délicieuse praline. À l'envers, ça le fait un peu. Faire à l'envers, moi. Ses cheveux n'ont aucun sens. J'en conviens. J'en conviens parfaitement que ses cheveux n'ont aucun sens. Dommage que ce soit un peu dégueu. Peut-être sur une nose coupe ça donnerait mieux. Je vais tester. Ah oui, là c'est mieux. Ah bah c'est clairement mieux là. Ah bah oui. En fait, c'est avec cette coupe là que ça le fait pas. Mais oui, voilà. Mais voilà. Oh, c'est mimi ça. J'aime bien. Oh, j'aime bien. Et en même temps, c'est bizarre. Mais c'est bizarre. Coupe de Karen, mais un petit peu excentrique. Non, ça c'est Karen et pas excentrique du coup. C'est Karen. Après, du coup, le dégradé dessus il est stylé. J'adore cette coupe là, même si je suis sûre que c'est la coupe que toutes les nanas ont prise. Mais tant pis, le choix. Hein. Ça fait bizarre. J'ai rien compris. On fait n'importe quoi. Ok. Non. Oh, carrément, on choisit. Ah ouais, on fait vraiment notre Sims. Oh. 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 Mettre en rouge. Ça. Mmh. Ouais, ça j'aime bien. En haut, bah ça c'est un peu bizarre, mais j'aime bien aussi. Oh, un petit truc comme as. Oh, c'est cute, hein. Mais attends, toi, t'as perdu ta couleur. Ah, ça c'est bien. Ouais, c'est bien comme ça. En rouge, est mieux. Même si ça, c'est stylé. Mais il y a un côté chevaleresque avec ça. En même temps, actuellement, j'ai froid. Donc je pense que niveau RP, faut que je mette un truc comme ça. Un peu chevaleresque. J'aime bien. Ouais. Ok, ok. Ça c'est quoi? C'est le maquillage. Ouais, pour ce qu'on verra. Hein. J'aurais voulu des traces sur la gueule de partout, moi. Possible ou pas? J'ai l'impression que c'est possible.
un truc bien accentué, abusé. Ok, let's go. On va pas modifier votre morphologie, votre visage, votre teint, la couleur de vos cheveux. Oh, on pourra même pas modifier la couleur de vos cheveux, votre voix. Pour la création du personnage. On pourra modifier les vœux, mais on pourra pas modifier la couleur. Bon, oh, ça va. Effet boue, ouais. Pas fait pour aller bêcher les champs. Mais je suis une chevalière. Enfin, ça se dit ? Enfin, je suis chevaleresque en tout cas. Nom complet du personnage. Si je mets Draculox, ça passe ou pas ? De ses yeux. Mince, j'ai lu trop vite. Oh, ça va alors. Ouais, elle est bien Dracu. Moi, c'est Draculox. Time for you to go out into the world. I have high hopes for what you can accomplish. Ok, faudra ajouter manuellement les appâts à notre... Il y a les conseils en dessous. Attendez, je vais lever un peu ma cam. Comme ça, vous pourrez voir les conseils. C'est important. Cinématique. Chut, dis rien. J'ai soif. Elle est où ma courte? Elle est vide ma courte. Merde. J'ai soif. Et moi, c'est une goutte. Oh, il est joli le oiseau. On dirait un paon. Oh, tu suçais, c'est Baymax. Je suis Baymax. Quand je dis « oh », ça me... Quand tu dis « oh », ça me fait penser à Presley. Ah bon ? Elvis de son prénom ? Ou Presley, genre le verbe. Aller vite, enfin faire en sorte qu'ils aillent vite. Oh bonjour ! Je suis plus fort. J'avais beaucoup baissé. Il y a tellement de choses à apprendre. Film le cinquième élément. Oh, comment il s'appelait ? Comment il s'appelle ? Gna gna gna. Oh, je sais plus. Oh, bon sang de dragon. Je suis dématérialisée de nulle part. Honnêtement, j'en ai aucune idée. C'est pas étonnant, tu sais qu'il y a probablement pas plus... Tu sais probablement pas plus que moi ce que tu fais ici. C'est juste qu'aucun d'autre humain ne savait non plus ce qui me ramène avec le départ. D'autres humains ? Oui, vous n'êtes pas le premier humain que je vois à Palia. Bah je m'en doute parce que j'ai eu la bêta que 10 jours après tout le monde. C'est le premier qui est vu. Vous avez apparaître dans ce gigantesque cocon de lumière. Nous devrions ralentir. Pourquoi ne pas prendre cette carte et aller en ville ? Vous pourrez parler... Attendez, mais ça... Entre parenthèses ou pas ? Pourquoi ne pas prendre cette carte et parler à l'aubergiste ? Il a aidé d'autres personnes à s'installer comme vous. Je vous aiderai bien moi-même, mais je travaille sur quelque chose. Et je suis assez prêt de comprendre. J'ai tellement surprise que j'en ai oublié de me présenter et d'expliquer ma présence ici. Je m'appelle Dina. Je suis une chercheuse en formation et j'étudie les anciennes ruines. Et aussi mon assistant de recherche, Éclat. N'essayez pas de poser des questions, je retourne au travail. Oh, back to my research. Back to my research. Ok. Et du coup, maintenant je gêne. Je vais mettre au niveau du chat, hein. Je pense que c'est mieux. Au cas où. Est-ce que c'est pas le moment de se mettre en QWERTY ? J'allais dire, ça y est, le jeu il bug.
Corben Dallas. Corben Dallas. Ok. Ne critique pas, je dis rien. Lox, il y a 15 minutes. C'est pas vrai? J'ai jamais dit que je critiquais pas, je disais rien. Je dis, t'as du mal à comprendre, j'ai dit, je critique tout et je dis que des choses négatives. Ah, c'est un bug du français. Oui, je pense aussi que c'est un bug du français. Elle, ce serait genre. Bonjour humain, je sais que vous... Petite réverbe. Bonjour humain, je sais que vous devez avoir de nombreuses questions sur votre émergence spontanée. Votre présence annonce de grands changements dans le monde Paléa. Mytho, j'ai eu la bêta qu'aujourd'hui... Bref. Qu'est-ce que je suis? Vous êtes un être humain, une chose ancienne, que ce monde n'a pas vu depuis de nombreuses rotations autour du soleil. Cela mis à part la réponse à la question « Qui suis-je ?» dépendra entièrement de toi, comme de nous tous, comme pour nous tous. Ok, ouais, d'accord. Attends, j'ai pas fini. Ah bah, c'est pas bon. Attends, j'ai pas fini. J'avais pas fini, je voulais poser plein de questions, wesh. C'est pas grave. On t'a pas dit. Ouais. Ouais, dis-toi, j'ai un peu là. C'est bon, je me calme. J'ai pas assez de gamma. Est-ce que je peux augmenter la gamma? J'en ai pique. Fréquence d'image. Je peux pas. Je peux pas mettre le gamma bien plus élevé. Parce que je trouve que le jeu, il est un peu terne, un peu sombre. Mode par défaut. Streamer. Chat activé. Streamer, chat activé. Oh, streamer, chat activé. Let's go. Ok. Barre d'action infinie. J'ai le redatage, réticule central. Nanana, ok. Nanana. Dommage. Jumped. Moi je comptais. Non. Marco. J'espère que ça va pas me faire crash. Hein. Grimpe. Oh, je peux grimper. Exceptionnel. C'est de 15 millième humain. Franchement, plus. Être arrivé sur Paléa. T'as cap de Link il y a 2 semaines, tabarnak. C'est un peu terne, non? Ça manque un peu de petit boost là de couleur. Attendez, oh, je peux le mettre sur le live, le petit boost de couleur. Attendez. Imaginez, voilà, là c'est pas Léa. Imaginez, je fais ça. Imaginez, je fais ça. Filtre. Attendez, un petit boost. Hein. Juste pour, on va remettre les choses bien. Accentuer. Hop. Non, pas netteté. Ouais, oh, quelqu'un. Non, c'est tous mis rouge et bleu. Quelle bande de nulos qu'on est là. J'ai envie de me changer direct. Attendez. Plutôt correction de couleur. Hop, imaginons, je fais un petit... Non. Pas fou, ça. Un petit ça. C'est-il pas plus joli? Voilà, ça c'est le jeu normal. Ça c'est moi avec mon filtre. C'est pas mieux un peu? C'est pas un petit peu mieux là? C'est un peu plus joli? Je préfère le jeu comme vous le voyez maintenant. Oh la diff.
plus coloré. C'est un peu plus mignon quand même. Bah ça va avec le style. Là, regardez. Bon, c'est pas énorme, hein. Je fais pas une diff énorme. Je peux faire un boost énorme. C'est sympa quand même. Moi, je pourrais faire, hein. Ouais, moi, je... Eh, franchement, je vais laisser comme ça. On a le même visage. Faudra voir au soleil. Ouais, mais je suis sûre que ce sera quand même mieux. J'ai pas fait un énorme boost, hein. Parce que là, on est quand même censé être un peu le matin. Petite... bon, voilà. Il y a des chargements en cours, quoi. Ça l'a pour moi aussi, hein. Chain. C'est ça l'auberge ? Ah là, c'est peut-être un peu trop la saturation que j'ai mise. Peut-être un chouï trop. Pour ça, c'est peut-être un peu trop. Quoique c'est joli quand même, hein. Moi, c'est un peu rose. Ou c'est plus rouge. Là, je prends ton micro et l'autre t'entend. Franchement, j'assume. J'assume parfaitement. Il va faire quoi celui-ci? Mais non, mais c'est pas ça qu'il faut taper, toi. N'importe quoi, hein. Pas envie de te parler à toi. Attendez, vous la voyez comment? Moi aussi, je vois ça jaune, hein. Vous êtes un peu trop saturé. Attendez, je vais arranger un peu. J'arrange la colorimétrie. J'arrête mes bêtises après. Voilà, là comme ça c'est bien. Ça me sert à rien. Arrête! Je fais ce que je peux. Tellement haut. Marqué. Et toi t'es plutôt automnal. Toi t'es plutôt printanière et moi je suis... Kenny, où j'aille où? Another beautiful day. Je vais mettre une grosse voix. Bienvenue à Kinema. J'imagine que ça doit faire beaucoup à digérer d'un coup. Je suis Ashura, aubergiste de la Kandormu. Malheureusement, il n'y a pas de place à l'auberge pour le moment. Salut Daemon, comment ça va? Comment ça va? Mais nous avons quelques villes pour cette libre au nord-est où tu pourras te monter une petite tente. Et si tu dis, tu veux profiter du grand air? Qu'est-ce que tu t'en dis? Franchement, j'aime pas le camping. Camping, c'est pas trop mon truc. Je te comprends, j'ai dormi en tente pendant des années quand j'étais soldat. Mais j'y suis jamais vraiment habitué. Bien, une fois que t'auras monté ta tente, on pourra peut-être voir avec le maire pour te trouver une solution permanente. Pour monter une tente, va te falloir que tu rassembles quelques matériaux. J'ai une hache pour toi. Par contre, pour la pioche, va falloir demander à Odari, notre mineur. Heureusement pour toi, il inspecte les parcelles en ce moment même. Tu vas devoir prendre la route montant la colline au nord-est. Je t'indique un emplacement sur la carte. Oui, bah au pire, indique-moi, c'est plus simple. Si tu es en chemin, n'hésite pas à te ramener ici. Je te donne un coup de main.
Ça va, en et toi en... Oui, ça va, ça va. J'essaye, Palia. I try, Palia. I am essaying for now, Palia. Ok, j'ai eu une hache de fortune. R pour la barre d'outils, c'est ça? Nice. Mitodari at the housing pot. Mais il est où? Là-bas. Je t'ai mort. Exactement. J'aurais pas dit mieux. On n'est pas au même endroit, ça dégoûte. Moi, je suis avec Claudette. Ah, oh, t'es avec Claudette? Comment ça se fait? On est pas... De toute façon, on peut pas se rejoindre facilement, je pense. On peut se demander un ami dans le jeu. Ah non, non, ça m'a ouvert le truc. C'est pas... C'est ça que je voulais faire. Hein. Oh. Par là. C'est mignon ici. Le petit chemin est ravissant. Ouf. Ah mais mince, vous me voyez pas? Et ça va? Moi je suis là. Mais cinématique alors je me cache. Oh, c'est trop mignon. C'est mignon. Oh. Salut toi. T'es un elfe rose célibataire? Ok. Odori, Odari. Yeah. Yeah. Oh. Moi et lui, du coup, on va faire un peu. Ça avance, il reste beaucoup de déchets vendant. Oh hi. Odari Pavel. Pavel, de Pavel Mini Mining. Que puis-je faire pour vous? Non, ça n'a rien à voir avec les bitcoins. Ashura veut que je lui ramène une pioche. Salut, je m'appelle Lox. Dis-moi comment tu as fait pour avoir des muscles aussi gros. Oh, let's go. Surtout à cause de la mine, je suppose. Je me muscle pas, c'est naturel. Si vous voulez vous entraîner, pourquoi ne pas prendre une pioche? T'en as déjà, tu as déjà une hache. Il est toujours bon d'avoir de bons outils pour le bon travail. Utilise-les tous les deux pour dégager ces débris. Tu veux bien? Bah tutoyer au début, wesh. Travail de mining. Le travail de mining a faim. Alors tu ferais mieux de prendre ça aussi. Ma fille dit que je dois manger aussi sainement. Mais tu en auras plus besoin. De quoi? Il me donne à manger, c'est ça? Oh, mais il y a la faim, en fait. Ok. Ramasser pour passer un autre outil. Ah, rapidement, trop bien. Rassemble les objets que tu as créés. Ah non, je pensais que ça c'était un raccourci rapide, mais pas du tout. Enfin, oui, mais non. Là, il y a du bois avec. C'est quoi, c'est un champi? Oh, une morille. Morille, ça me fait penser à un nom de poisson. Je sais pas pourquoi. Y a une raison ou pas? Une morille. Ah, je peux pas... Ah, je peux le looter, ok. Je bouge un peu trop loin, Mori. Non, mais vous tous les deux, quoi. Oh, les deux au cœur qui la lancent la blague.
cas des os, mais on sait que vous avez plus de 30 ans. Allez, plus de 26 ans. Ouais, je veux garder les arbustes. De dimanche, oui, c'est vrai. Mais je sais pas l'âge de Daemon, même s'il l'a dit. Ouais, il m'a peut-être dit. C'est vrai, les petits indiens, tout ça, oui. What? What? Bah quoi, what? C'est toi, what? Il reste beaucoup à faire. Il reste encore beaucoup à faire. Mais c'est un début. Et maintenant, je vais arranger un autre terrain et faire emménager un autre d'entre vous. Le flux est presque constant depuis que le premier est arrivé. Rosa. Quant à vous, devriez pouvoir déposer cette table de travail maintenant. 30 coffres de rangement, vous débrouillerez avec tout le reste. Des bisous. Ok. Yep. Select the workbench. Ah, mais j'ai un. Ah oui! On a une table de craft. Bla. Exceptionnel, j'ai une table de craft. Qu'est-ce que je peux crafter? Un pack de rangement en bois et une tente de fortune. Je vais faire la tente d'abord. C'est trop mignon. Oh, le balèze. Regarde. Mais non, mais n'importe quoi. Je vais la mettre dans le coin là-bas. Je vais pas la mettre au milieu. J'aime pas au milieu. Je vais mettre là-bas. Donc j'ai coupé cet arbre pour rien, mais c'est pas grave. Non, l'autre côté, toi. Fortnite depuis mai. Beaucoup d'anniversaires aussi en mai. En mai-juin, c'est où j'ai plus d'anniversaires de mes proches. Et après, on a pas mal en house. Qui c'est ça? Non, c'est bon. Mais ça, c'est le tonneau, je peux en faire quelque chose? C'est une tente de camping, tu détestes le camping. Mais j'ai pas le choix, j'ai que ça à crafter enfin. Et puis t'as vu la tronche de la tente? Mais je tue le, hein. Je peux pas ramasser ça. J'ai une barre d'endu? J'ai pas vu, hein. Il y en a pas, c'est trop bien. Et vous, le jeu, il est plus joli, hein. Moi, il est un peu terne, hein. Vous préférez quoi? Attendez, voilà, là, on est en plein jour. Je vous montre. Je vous montre le jeu, voilà, comme ça. Vous le voyez comme ça. Moi, je le vois comme ça. On est d'accord que c'est mieux avec le filtre, hein. Je vais peut-être laisser le filtre. Moi, je trouve que c'est plus attrayant. Ouais, là c'est le filtre. Franchement, hein. Franchement. Filtre pour m'interne. Mais c'est ça en fait, c'est que tout fait un peu terne alors que c'est pas l'ambiance. C'est mignon, hein, mais ça manque d'un chouïa de peps au niveau des couleurs. Un tout petit peu, vraiment pas beaucoup, sinon ça fait trop. Ça
T'as de l'endurance quand tu escalades à la Genshin. Ah d'accord, mais pas quand tu... Ok, trop bien. Parce que ça, c'est le genre de truc que typiquement dans... alors dans Animal Crossing, il n'y a pas ça. Mais par exemple, dans Disney Dreamlight Valley, t'as de l'endurance. Ça, c'est chiant. J'ai pas fait gaffe, tu vois, quand j'ai grimpé tout à l'heure. Ok, ok. Merci pour l'info. Tu peux pas la tourner un peu? On est sur le teco comme ça. Elle est stylée quand même, la petite teuton là. Qu'est-ce que je peux foutre d'autre? C'est qui ça? Oh non! J'ai déjà un zadiste! Je vais faire un petit bac. La Dreamlight ne t'empêche pas de faire des actions, mais elle permet juste de gagner plus d'XP. D'accord, ouais, d'accord, c'est un truc, un bonus en fait, mais ça t'empêche pas de faire des trucs. C'est bien, c'est bien. C'est très bien. Non, non, non. Storage solution. Hey, what's up? Ouais, il y a des gens qui parlent dans le chat. Comment je parle? Je suis rentré. Yo. Ils vont voir Draculox. J'aurais dû mettre Lox TV. Je vais faire toute la net, ça c'est trop bien. Ça c'est mon storage. Donc je fais genre ça. Mmh. I'm a new new, same. Moi je suis encore petit, c'est vrai. Tu t'évanouiras pas à 2h du matin comme dans Stardew. Ouais, ça c'est trop chiant aussi. Toute la night en... bon. Moi je parlais à Oni. What you up to? What you up to, il a dit. Nya nya. Nya 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 nya. Nya 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 nya. Ouf, heureusement t'es encore là. Ma mère, Delalia, m'a dit qu'il y avait un nouvel humain en ville. Et te voilà, j'ai fait tout ce chemin depuis la ferme juste ici. Elle a voulu vous offrir ce cadeau de pendaison de crémaillère. Bienvenue chez Kima. Et je voulais que vous ayez votre courrier. Je m'appelle Oni. Je m'occupe de toutes les livraisons. Deux fois par jour, tous les jours. Qui peut vous qu'il vente? Si c'est le matin, si c'est le soir. Je paye. Et je me dis que mon travail risque de devenir un peu plus stressé ces prochains jours. J'aime bien recevoir du courrier. Tu es plutôt... tu aimes bien les papiers? Ou... je trouve que tu as la tête de quelqu'un qui aime le papier. Mais je juge pas. Hein. Je juge pas. Mais jeunes de votre âge, ils aiment bien les papiers. J'ai pas compris, on avait Facebook... On avait tweeté, on avait WhatsApp, on avait Gmail. J'ai pensé à Facebook parce que j'ai pensé à Meta, au fait que personne disait Meta parce qu'on a eu cette conversation tout à l'heure, mais personne dit Facebook. Ok, oui, j'adore. Les apparences peuvent être trompeuses. Peut-être que recevoir une belle lettre qui est sur ta vie, c'est bien les lettres. Moi, j'ai bébé. Allez, va voir. C'était toute ta première évasion du courrier. On a... Ouais, livraison de... Pourquoi pas? Donc c'est ok. Mais il faut y voir. Ok. Ah, qui c'est le sénateur? Ah, faudra que je joue. Faudra... Ah! C'est cool.
Est-ce que du coup faudra que j'envoie aussi Dikori? J'avais pas vu la canne à pêche. On va pouvoir pêcher! Ok, comment qu'on pêche? Oh, y a de l'eau! Ok. Ok. Nibble. C'est quoi Nibble? Wait for a big bite. Another one bite. M'en a pas. The bait. Oh. On verra. Il y a plusieurs langages, il y a plusieurs éléments de vocabulaire que j'ai pas. Non, je vais pas faire si loin. Non, mais attends, attends. Ah. C'est pas assez d'eau, c'est ça? Je peux pas. Mordille, ok. Ah, c'est pour mettre un appât. C'est peut-être ça, ouais, mais j'ai pas d'appât. Je vais regarder si je peux en crafter. Ouais, tu me parles encore, toi? Man, I'm hungry. J'ai pas trouvé d'étrange artefact, c'est faux. Ok, si j'ai faim, je vais parler au daron. Des bombes fumigènes. J'ai eu des bombes fumigènes, mais pourquoi faire? J'ai eu des bombes fumigènes. Je les ai déjà lues? Marqué comme lu. Ah oui, d'accord. Marqué comme lu. Voilà. Je les ai mis en vue. Pourquoi est-ce qu'il a pêché? Bah, je sais pas, à chaque fois elle récupère tout de suite sa. La ligne. Donc j'imagine que c'est trop peu. En même temps, c'est une flaque d'eau, hein, donc j'avoue que j'ai peut-être pas essayé dans l'endroit le plus logique. Ah, ok, des flèches. Ok. Des bombes fumigènes, comment je fais ça? Avec la morille? Non, pas du tout. Avec d'autres trucs, ok. Est-ce qu'il y a un petit lac, un petit truc ici? J'ai pas l'impression. Il y a des morilles. Il y a un peu d'eau, mais c'est vraiment. C'est vraiment une flaque quoi. Bah je vais bouger. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a un reste de chemin de fer. Pas intéressant. Qui ressemble à exactement la même chose que ce côté-là en fait. Ok, bon, bah je vais bouger, je pense que là je suis dans mon espace un peu perso, genre... Oh ah là il y a de la vraie flotte par contre. Ah ça c'est bien. Là je pourrais pêcher. Je pense. Voilà, là c'est bon. Ah mince! J'ai tiré tout de suite. Il aurait fallu que j'attende. Bah oui, bien sûr. Faut atteindre le gros plouf, ouais, tu as raison. Comme dans. Bah, comme dans Animal Crossing. Ouais, je pense. Ok. Réflexe. Souvent, au bout de 3 ploufs, ça. Réflexe, réflexe. Des os. D'accord. Faut suivre le poisson. Ok. Ça va, c'est assez simple. Et on voit le poisson en plus, ça c'est cool. Il y a un poisson.
Est-ce que je peux le poser par terre? Attendez, je vais rien prendre dans mes mains. Non, pas les fumigènes. Bon. Attendez. Je vais tester là. Là, je suis chez moi. Est-ce que je peux poser mon poisson? Ah, peut-être. Pêcher. Maison. Le poisson, c'est que pour manger. Ah, on peut vraiment poser le poisson, Catholique? Un poisson de qualité supérieure avec une toile. C'est vrai? Je suis très contente. Let's go. Je vais pouvoir poser mes poissons. Je vais faire un aquarium. Mon chez moi, ça va juste être un aquarium. Immense. Avec plein de poissons. Et d'autres trucs. Si je peux poser d'autres trucs. J'ai réflexe. Pardon. Il y avait écrit prise parfaite, hein. Tricolore. Elle, elle a brillé, non? Non, hein. Pas. Bon, peut-être que sans appât, je pourrais pas avoir de poisson unique. Enfin, rare. Enfin, un shiny. Peut-être, hein. Oh, il oublie, lui, hein. Non, c'est la même chose. Ouais, c'est pas la même chose, hein. C'est un autre truc, hein. C'est quoi? Oh, c'est un poisson rouge. Moi, je pense que c'est un poisson rouge. Il est trop chou. Je peux faire que pêcher au pire. Venez, on fait que ça. Un jour, je peux faire que pêcher, ça me va. C'est pour ça que j'ai joué à des jeux de pêche d'ailleurs. Les ronds, c'est-à-dire. Ah oui, les endroits où ça, où les poissons ils sont déjà présents, c'est ça? Bon, j'ai des poissons, je suis trop ravie. En vrai, je suis trop ravie. C'est ravissant. Je vais m'en aller. Il n'y a plus personne ici. Ouais. Il faut que je mange vraiment? Donc voilà, ouais, c'est notre zone où on pourra inviter des potes, je pense. C'est accompli. Let's go, c'est accompli. J'ai du beurre sur moi? J'ai du beurre. Des poissons, des morilles, des champignons grillés. Des points de concentration, ok. Ah, du coup, je vais peut-être aussi plus vite. Oh, pour le menu social. Oh! Oh bah, je vous invite, hein, si vous êtes, si on peut s'inviter. Ok. Les gamins qui t'a donné de beurre. Ah, c'est vrai que j'ai déjà passé, j'ai déjà commencé à pâlir. C'est ça. Oh, délice.
j'ai plein de quêtes. Non, je pense que c'est avec le nom. Le nom et le prénom. Moi, c'est Draculox. Mais si tu mets Lox, ça peut peut-être marcher. J'espère que tu seras pas à cette heure-ci. Oh bah j'y peux rien, ils m'ont envoyé la bêta super tard. Et je chouinais et je râlais parce que je l'ai eu trop tard, la bêta. C'est très joli ça. Et du coup, je faisais la tête. Du coup, j'utilise ce que je teste, ce que je teste pas. Oui, j'ai testé. Trop mimes. Je fais la pub dans mon rêve. Tu encore la pub de. Je joue au P-Word. Oui, je joue à P-Word. Il y a so much to learn. C'était quoi sa voix, elle? Je crois que c'était ça. Ouais, je suis content de. Ah non, c'était pas ça. Non, bah non. Bah non. 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 C'est ça. C'était ça. Un truc comme ça. Et salut Yox, je suis contente de te revoir, ça se passe bien? Non! J'ignore le fait que je me suis cassé le doigt à trouver cet objet. Mais quel objet? Je comprends pas, c'est quoi cet objet? J'ai trouvé des champignons, et c'est tout. Oh. Je trouve des objets qui pourraient t'intéresser. J'ajoute la personne avec le nom entier du joueur. Ah d'accord, tu ajoutes, ok. Je suis restée en Azerty, ça merdoie totalement. Ah non, non, je suis en quartier, moi. Moi, franchement, je me fais plus jamais chier à Robin sur les jeux comme ça. Sauf si vraiment, voilà, il y a moyen. Sauf s'il faut vraiment que je commence à y jouer longtemps et je rebanne bien comme il faut et tout. Mais là, quand je teste, je passe en quartier. Ouais, je suis en quartier. Oui, quoi donc? Oh non, mince, je rêve, c'est une ancienne batterie d'onde. Ah, j'ai trouvé ça, moi. C'était les sources d'énergie des anciens humains. J'ai cherché partout cette chose. Et tu as fait me l'avoir trouvée sous un vieux tas de déchets. Ouais, c'est sûrement le destin. Je crois pas vraiment que le destin soit d'une sacrée. Je ne crois pas vraiment au destin en soi, mais une sacrée coïncidence. Il faudra peut-être un peu de temps pour comprendre ce que cela fait. Je vais faire une lettre et j'en saurai plus. Ok, Gina. Oh, ça parle dans le chat. Ça dit quoi? One I tried the lagoon? Oh yeah! Est-ce que du coup je peux voir si vous m'avez. Oh, demande d'amitié! Daemon Dragon! Let's go! Exceptionnel! Excellent, je voulais dire, mais exceptionnel, c'est bon. Ouais, pour toi que tu peux enfin y jouer. Oui! C'est un monde d'elfes de nuit. Bah en tout cas oui, c'est un monde où il y a un délire où il n'y a pas d'humains déjà, à part nous, et à part les milliards de joueurs, donc il y a finalement vachement d'humains. Est-ce que ça marche si je fais ça? Tu dois améliorer ton outil. Oh, des buffs! Oh, un coffre! Je peux vous... Allez, enfuyez-vous. J'arrête. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Ah, il sort 4 du matin. Pas comme dans la vraie vie, mais franchement pas loin. Et merci Louis. Je vais dire non, pas lui, ça passait. Non, parce que moi, je ne vis pas que pour le show. Je vis aussi pour l'amour de la commu. Ah, j'ai sauté dans l'eau. Ah, on sait pas nager. Attendez, pour être sûr. Un manque au cas où. Sûr, je peux avoir le temps de remonter en vrai. Let's go. Hé hé, t'es dégoûté, attention.
Ok. Oh, je vais éviter le trou. C'est pas nager, mais tu sais courir dans l'eau. Oui, vraiment, c'est pas la même. C'est pas. Bah, ça me noie. Mais ils brillent tous mes poissons. Je pense que je pourrais en mettre plein chez moi. Il y a encore un. Ah oui, encore. Attends, désolé, je vais essayer de reprendre mes poissons. J'avais fait un lancer parfait. Ranger mon truc? Non, ça me prend une pioche. Je veux ranger. Il faut prendre ses boucans, les fleurs. Je les ramasse juste pour rester, non? Morcio, Louis, trop chou. Et gros bisous. Bon dodo, effectivement, il est l'heure. Hein. Mais moi, j'aurais allé. Je suis pas fatiguée. J'en suis à 9h de live. Vas-y. On verra, on verra. Déjà, je fais des quêtes, là. Oh. Je peux casser ça? Qu'est-ce que c'est que cet insecte qui brille? Je peux crotch? Non, je peux pas. Comment je chope ça? Dans cette heure pour aller au travail. Bon courage Kato, Lise. Des gros bisous. Bon l'air. Merci beaucoup pour toutes les infos. On peut monter sur un écureuil? Non, on peut monter sur rien. Enfin, pour le moment. Je vais essayer d'attraper un scarabée au fumigène. Ça sert à rien une fumigène. Mais je le veux ça. Alors que c'est en live, coucou, coucou, FX. Créatures sans fiance, tu les rates. Tu ne parviens pas à les abattre en un seul coup. La poursuite de créatures fait partie de la chasse. Les hunting level. Ah, d'accord, donc on a un niveau de chasse. Mort pour un foulard. Ok, je pense que c'est pareil pour la pioche, la hache. Les créatures à chasser lâchent des matériaux précieux pour l'artisanat. Ok. Bon, j'ai des missions. Je vais aller prendre mes quêtes. Les pingouins. Je peux pas te dire. J'ai vu assez peu de bestioles, même s'il y en a. Donc c'est à voir. Oh, un magasin. Un magnasin. Vise bien. Bon conseil ça. Vise bien. Bien vise. Ouais. Elle est nulle la collection, hein. Ouais. Je m'appelle Ref. Ref. Ah. Repasse me voir. Quand? Pourquoi m'apprendre à cuisiner? Apprendre à marcher avant d'avoir à savoir nager. Faire un feu de camp. Oh oui, je veux bien. Ouais. Comment? Comment ça, ta soupe brûle? Eh, hey, moi aussi je vais y aller. Il est un peu vide ton bureau, mec.
Oh, Jill. Pour les fringues, ça. On verra tantôt. Tu parles, arrête. J'ai une demande d'amis de Samuel Sam. Oh, let's go. Trop bien. J'ai raté. Attends, c'est ça. Je vais essayer. Non, ça se pêche pas. Attends, bouton. Zut. Non mais il fait nuit, c'est dur de chasser l'insecte à l'arc quand il fait nuit. Tous les chasseurs d'insectes à l'arc le savent. Hein. Attends. Mon métier m'appelle. Parfait. Fixé. J'attaquais par le farm. Ah oh non, moi j'attaque pas par le farm, je sais pas ce qu'il faut farmer. Donc non, moi j'attaque par débloquer des trucs et après on voit ce qu'on fait. La pêche c'était important. Il est beau ce poisson un peu. Je peux le mettre dans ma maison. Oui. Le Star Quality Item. Oh, je peux mettre ma vandoise chez moi. Ma vandoise, elle est pandoise. Kiffe bien. Ouais, je kiffe bien pour le moment. Après, ça fait une heure que je joue. Et toi là. Je sais pas pourquoi mais tu pêches. Ah si je sais, pour attraper ça et pour le mettre dans ma maison. Ah parce qu'on m'a expliqué des trucs dans le chat. On m'a dit, j'ai achopé un poisson parce que je voulais savoir si je pouvais le mettre chez moi. J'ai essayé de le poser, j'ai pas pu. Et là on m'a dit, il faut des poissons de meilleure qualité et tu pourras. Et du coup j'ai fait, oh, go chercher un poisson de meilleure qualité. Et maintenant je peux. Ah, je sais pourquoi je fais ça. Pour avoir des poissons dans ma maison. Oh oh oh, c'est quoi ça? Ça c'est un scarabée, il brille. Les trucs qui brillent, moi j'ai envie de les pêcher. C'est un papillon. Pas l'impression qu'il soit... qu'il soit perméable aux... flèches. Je vais faire la quête et puis après je vais essayer de placer mon poisson dans mon chez-moi. Mais d'abord il faudrait que je puisse faire une table. Oh. J'ai entendu un bruit. C'est toi qui fais du bruit? C'est toi qui fais du bruit? Oh non, il y a un truc là. Oh, il y a des fruits. Regardez. Je peux piocher des fruits. Et des légumes. Tu peux hacher des légumes. J'ai l'impression. Fuck. Et c'était à toi. Mais il y a des petites bestioles bizarres. Pas à l'arc ça. Il va falloir que je chope un filet. Qu'est-ce que ça doit? Aïe aïe aïe. Les bombes fumigènes. Ouais alors les bombes fumigènes en fait j'ai sorti sans le vouloir et du coup j'ai pas vu le tuto parce que je voulais vite prendre un autre outil. Ah c'est pour les insectes. Insecto-scout. Ah c'est pour les insectes. Ok ok. Chasse aux insectes. Collecte des papillons bleus. Ok ok ok, j'ai pigé Axe.
va choper des insectes. C'est quoi ça là-bas? Un insecte. Autorise full. Coupé. Merci beaucoup, Belfix. Je te dis merci avec cette petite voix et je ne sais pas pourquoi. Mais je vais mettre une réveille. Pardon. Il est un peu tard. Uto, il est 6h du mat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour le troisième mois. Voilà, c'est ça que je cherchais comme info. C'est adorable. C'est très gentil, tu te lèves juste? Enfin, je veux dire, quand tu es venu, quand t'es arrivé sur mon live, tu te levais juste ou pas du tout? C'est trop mignon, merci beaucoup, beaucoup. Gros soutien. J'ai mis une dodo. C'était bien? Ok, faut que j'ai des améliorations de sac. Bah, c'est adorable. C'est très très mignon. Merci beaucoup, beaucoup. Bah n'hésite pas, si tu joues au jeu, n'hésite pas à m'ajouter en tout cas Draculox. Oh, toi je te dois. Ouais mais je pourrais pas te choper. Il faut que je sache. Et après je fais quoi? Ah ok. D'accord, d'accord, d'accord. Je peux pas virer un truc? Non, tant pis. J'entends la maison. C'est où ma maison? Où ma maison? C'est là ma maison? Je peux me TP? Bon bah tu restes là. J'attends en sortie ouverte du coup. Ouais, moi j'ai un peu peur que ce soit un peu la cohue. Je peux peut-être vendre? Je peux pas vendre. Lors de la sortie ouverte, alors je voulais absolument le tester avant. Je suis debout, mais je suis assis. Oui, c'est vrai que le terme correct est réveillé. Non, c'est où que je dois aller? Oui, c'est là mon point. Donc, faudra que je revende. J'améliore mon inventaire. Ça, c'est des escalades, ça? Ouais, non, mais c'est trop bien. En fait, on escalade. J'étais pas sûre, mais en fait, on escalade tout. Y a pas besoin que d'avoir des lianes ou une corde ou un truc. Les lianes, c'était juste un repère facile en mode bon, tu connais le jeu vidéo. Là où on met des lianes, tu peux escalader. C'est juste ça, en fait. Y a un horaire pour la sortie? Il me semblait que c'était en soirée. Il me semblait que c'était en soirée, mais je suis plus sûre. Attends, je suis sur leur Discord. Ils parlent de la bêta fermée là sur leur truc. Si je fais saut. Actualité. Mmh.
Alors, le 10 à 10 heures. Piti. C'est du coup, PT, c'est quoi comme fuseau horaire? C'est 10 heures du matin, mais PT. C'est pas... Je sais que nous, on n'est pas... Nous, c'est pas ça comme horaire. Si? Non, pas PM, PT. C'est bien 2h du matin, c'est bien. Enfin, 10h, 10 AM, mais PT. Je sais pas ce que c'est. Fuseau horaire PT. Abréviation de... Fuseau normal moins 8. Non, ça doit pas être ça, si. Pacific Time, c'est Pacific Time. Donc, c'est horaire des États-Unis. Du coup, nous, ce sera plutôt... Ah oui, non, ce sera vraiment... ce sera vraiment le en début de nuit, quoi. Enfin, début de nuit. En début de... En très tôt le matin, genre. Ce sera à 2h du matin, du coup. Horaire PT. Non, c'est, ouais, c'est Pacific Time. Donc, ouais, non, j'ai rien dit du tout, en fait. C'est plutôt... ce sera le 10... Mais à 2h du mat, quoi. D'après ce que je comprends. J'ai un coffre au trésor. Il faut que je le mette quelque part. C'est H pour housing. Et j'ai mon poisson. Je suis ravie d'avoir mon poisson, hein. Ah mince, on voit pas dedans. Pas pratique. Bah je vais le mettre devant. Mais je vais peut-être essayer de le poser tel quel comme ça. Mon poison. Mon poisson. Ça marche pas. Bon. Ah, contrôle. Si je fais ça. Ah, ça c'est pour remove. Ok. Bah, vous savez quoi, je vais le poser là. Voilà. Est-ce que c'est mignon? Ça va, c'est mignon. C'est pas dingue, c'est vraiment comme dans Animal Crossing pour le coup. Ça, c'est mimi. Après je fais ça et je fais ok. Non, ça va, c'est pas mal. T'es un poisson. Est-ce que je peux mettre une fleur aussi? Non. Les fleurs que j'ai dans mon inventaire, je peux pas. Ok. 58 minutes et 58 secondes. Touche ton nez. Il est pas minuit. Normalement, c'est à minuit. Ah non, ça je garde, ça je garde. Pas tout mettre clic droit peut-être, je sais pas. Ça va, le coffre a hein, une bonne réserve. Vendredi soir pour moi alors. En plus j'ai un week-end de 4 jours. Oh trop bien. Trop bien, trop bien. Let's go. Ouais, je pense que c'est possible que j'y joue vendredi. Possible. Je vais regarder vite fait un truc pour la mission. Mais je vais pas couper. Je vais pas trop tarder à couper. Mais je suis contente. Red, il se déplace, je crois, selon l'heure. Mais tu le vois sur ta carte? Non, normalement. La musique, par contre, elle est un peu battante. Je vois pas en haut de ta map. Parce que je pense que tu peux le voir sinon en faisant en regardant ça. Non, je vois pas. Bah merde. Parce que moi tu vois, mais alors si c'est des personnages de quête, je les vois. Et si même quand c'est pas des personnages de quête quoi. Red. Je le vois moi par exemple. Ah mais parfois ils sont superposés alors on les voit pas. Ah mais il doit être chez toi, Wrath. Wrath. Ouais, il était chez moi la première fois que je lui ai parlé. Il est pas chez toi, là.
Il est pas dans ton espace personnel. J'avoue que je vois pas là par exemple. Il reste à sa place. Et t'as une quête avec Rhett. Je sais pas comment on le dit à la française, Rhett. C'est bizarre de dire Rhett. On dirait que je dis arrête, mais sans prononcer le début. Rhett. T'as une quête avec lui ? En tout cas, moi, quand je lui ai demandé comment cuisiner, c'est parce que je l'ai croisé. Ah ok, je l'avais croisé dans un magasin. Au magasin de fringues, j'étais rentrée machinalement, je l'avais vu. J'ai vu qu'il y avait un truc au-dessus de ta tête et je lui ai parlé. Oh, c'est rigolo. La badrue. Mais ils doivent tous faire dedans encore. On va voir, hein. Je crois que c'est un papillon bleu commun. Ouais, je vais collecter. Je vais collecter des insectes. Voilà, là j'en ai un, il me faut quoi d'autre? Ça marche pas sur eux. Pourquoi ça marche pas sur eux? Si, il faut que je sois très proche. Trop bien. Un scarampeste. Pourquoi? Papillon bleu commun. Oh, je pourrais le mettre chez moi. Trop bien. Je pourrais le mettre dans mon appart, ça veut dire. Retournez voir Oni. Ok. Il est où? Là-bas. Ah non, c'est Badrou. Et je te parle Badrou. Peut-être qu'il m'est inconnu. Oh, je ferai pas. Ouais, non, je ferai pas la caricature du paysan. Je veux pas tomber là-dedans. Pourquoi m'apprendre à jardiner? Il y a un truc à sauter là-bas. C'est quoi qui saute? J'ai pas le temps de voir à chaque fois. Ok, il me donne rendez-vous plus tard. Ok, très bien. All right, I'll leave you to it. Oni.
suis niveau 2. Mission pop culture. Question pop culture. Si vous êtes dans la ville de Bikini Bottom en train de manger un pâté de crabe qui ressemble à un hamburger, quel est le prénom de la personne qui l'a cuisiné? Eh franchement, c'est facile. Hein. Désolé. Hein. Mais bon, des fois il y a des questions que je trouvais extrêmement simples, mais pas de réponse. Alors on ne sait jamais. Et puis des fois les gens juste ils dorment, ce que je comprends. Les bruits de pas, ils sont un peu relous. Ah moi Elena. Ah non, c'est... Ah oui. Pas lui, Rep. Lui c'est Oni. Power Wash Simulator, ouais, c'est un peu ça. Yeah. Il m'a filé du lait. Ok, c'est trop cool. Let's talk tomorrow. Ça semble un feu de cancer, faudrait que je fasse ça chez moi. Je vais rentrer chez moi. Bientôt chez toi. Et moi, faudrait que je sois bientôt dans mon lit. Ouais, il est 6h, allez, c'est pas très. Ah, c'est du Badrou. Ah oui, il voulait me prendre des trucs. Bah, let's go. Hein. Pour moi. On me surnomme souvent Zelle. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire par ici. J'aime bien m'occuper dans cet endroit pour qu'il soit accueillant. Ouais, c'est ça, moi. Vous êtes ouvert à l'appétit. Jardinage. Tout ce que vous avez à faire est d'attendre quelques cycles du soleil, oui. Aussi les outils. Give me the outils. Et du terreau. Okay. Thanks for stopping by. Ok, faut que je mette ça dans ma barre d'action. Faut que je fasse R pour sélectionner la OU. Après je presse, voilà j'appuie, et après je presse les gars dans la pointe d'action ici, c'est la touche numérique. La touche numérique correspondante, ok. Et après faut que j'arrose. Bon ça va, je vais comprendre vite. On va nettoyer un peu alors avant. Tu sais que c'est bruit? Oh putain c'est la cloche! Alors je fais ça là-bas. Ouais je fais ça ici peut-être. Oui c'est ça, je vais faire ça ici, c'est très bien ici. Ok. Un tout petit coin pour le moment. Pas envie qu'il y ait trop de plantations. Ah non, faut que je les place d'abord. Ah, c'est ça. Ok. Ensuite, je fais ça.
on trouve des trucs. C'est marrant. Du caillou, ça fait un peu de place et ça récolte des trucs. Ça fait un peu de place et ça commence à planter des queues trucs. T'es le seul. C'est un peu relou hein, le grattage de sol. Je vais pas faire genre, c'est passionnant. C'est bien lent. Ensuite, il faut que je plante des queues trucs. Qu'est-ce que j'ai à planter moi? Bah, j'ai pas de graines. À retourner voir Badrou. Badrou, donne-moi des graines. C'est pour faire pipi sur les plantations. Ça nourrit hein. Non, pas du tout. Merci. Oh, I see you're hailing it a day for now. C'est trop plein. J'ai bien eu l'arrosoir. Ah oui, l'arrosoir elle est là. Oui, ça va. J'aime bien comment c'est fait. Sélectionne pas. Ah voilà. J'ai eu peur. Et ensuite ça. J'ai cherché de l'or. Hein? J'écoutais pas. Ah c'est clic droit. Là, je peux savoir où ça en est. Ah non, c'est pour savoir ce que c'est. Ok, ça va. Ouais, c'est tionné, ça. Moi, je peux pas. J'ai mis un coffre dehors, je peux pas, et là, je peux. Or que, ouais. Ça sert à rien, ce coffre. Je vais essayer de placer mon pavillon. Je peux tout placer? Oh, c'est trop mimi! C'est très petit hein, mais bon, c'est très mimi quand même. Attends, ça veut dire que tout à l'heure, mais en fait, je pouvais les placer déjà. Bon, bah.
Ah non, là je peux pas, ok. Non, c'est juste parce que c'est dans mon coffre. Ok. Bah, je suis ravie. Oh, c'est un peu mieux pour vous. Moi, c'est un peu terne. Hein. Vous, c'est un peu plus pétant. C'est juste des queues. C'est juste des décos, ces coffres. Quoi, ça, c'est juste de la déco? Mais ça m'emmerde. Ça dégoûte. Petite nappe de pique-nique, nice. Ah oui. Il fallait que je crafte un feu de camp. On va aller, on va arrêter. Ah, ça c'est bien. Un truc inventory full, je vais me coucher. Ouais, bon, ça va. En fait, la pêche, c'est jusqu'au début, on a envie de d'attraper tout de suite un truc alors qu'il faut juste attendre, mais c'est pas très très dur. Donc t'inquiète, on retrouvera plein des poissons. Il y a plein de poissons dans l'océan, qui est le jeu, tu sais. Cook the mushroom. I'm gonna cook the mushroom. Oh, c'est long. Ça a craqué. Attendez, je vais placer ma petite tonne de pique-nique en même temps. Oh, c'est ravissant. Mettre ça sous l'arbre. C'est trop mimi. Et voilà, petite brochette de champignons. Champignons gagnés. Du coup, j'ai 50 de focus. Concentration permet d'augmenter l'expérience reçue. On verra plus tard. Ok, et ben je vais arrêter la VOD ici. Une heure et demie de VOD quand même. C'est la découverte de Palia. J'en referai une je sais pas quand. Quand j'aurai un petit peu avancé. En tout cas c'est très cool. J'aime déjà le jeu. Ça va être sympa. Des gros bisous, la VOD.